وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء Les gens qui ont reçu les Écritures te demandent de faire descendre une révélation sur un livre du ciel. Ils avaient demandé plus grave encore à Moïse en lui disant « Montre-nous Allah en toute clarté. » La foudre s'est alors abattue sur eux pour leur impudence. Puis, après que pourtant leur furent venues les preuves évidentes, ils prirent le vœu pour idole. Nous le leur pardonnâmes et donnâmes à Moïse une autorité manifeste. Nous dressâmes au-dessus de leur tête le mont pour avoir leur engagement et nous leur enjoignîmes « Entrez par la porte prosternée ». Et nous leur dîmes aussi « Ne transgressez pas le sabbat » et nous prîmes sur eux un engagement solennel. Si nous les avons maudits, c'est parce qu'ils ont violé leur engagement, ont maigri au signe d'Allah, ont tué injustement les prophètes et ont dit « Nos cœurs sont hermétiquement fermés ». C'est plutôt Allah qui les a scellés leur cœur pour prier de leur mécréance, car ils ont de peu de foi. Et parce qu'ils ont mécru et ont répondu contre Marie une ignoble calomnie. Et parce qu'ils ont dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or ils ne l'ont point tué, pas plus qu'ils ne l'ont crucifié, mais ils étaient victimes d'une pure illusion. Ceux dont les avis étaient partagés à son sujet sont restés dans le doute et n'en ont aucune science, et ne font que recourir aux supputations. Certainement, ils ne l'ont point tué. C'est plutôt Allah qui l'a élevé à lui, et Allah est tout-puissant et sage. Il n'y aura pas un parmi les gens du livre qui ne croira en lui avant sa mort, et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Los judíos entre la gente del libro te piden que les hagas descender un libro del cielo. Ya le habían pedido a Moisés algo peor cuando dijeron haz que podamos ver a Dios con los ojos. Pero fueron fulminados por un rayo debido a las injusticias que cometían. Luego comenzaron a adorar al becerro de oro, a pesar de haber recibido las evidencias del monetismo. Pero les perdoné esa ofensa y concedí a Moisés un milagro evidente. Para que respetaran el pacto de seguir la Torah, elevé la montaña por encima de ellos y les dije, ingresen por la puerta principal de la ciudad.
Prosternense en señal de humildad, y no quebrante en el sábado, celebré con ellos un pacto solemne. Por haber violado su pacto, por no haber creído en los signos de Alá, por haber matado a los profetas sin justificación y por haber dicho: nuestros corazones están encircuncisos. Pero no es eso, sino que Alá endureció sus corazones porque negaron la verdad evidente, y no van a creer sino unos pocos de ellos. Tampoco creyeron en el Mesías, y por manifestaron contra María una calumnia gravísima, acusándola de fornicadora. وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. Y dijeron: hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Allah. Pero aunque así lo creyeron, no lo mataron ni lo crucificaron. Quienes discrepan sobre el Jesús tienen dudas al respecto, no tienen conocimiento certero, sino que siguen supersticiones, pero en la realidad no lo mataron. Alá lo ascendió al cielo en cuerpo y alma, y Alá es poderoso, sabio. La gente del libro comprenderá, antes de la muerte, la verdad sobre Jesús. Y el día del juicio, él testificará en contra de quienes lo negaron, de quienes lo adoraron. Y el día del juicio, él testificará en contra de quienes lo negaron, de quienes lo adoraron.